Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc vous allez passer une semaine avec moi à la fac. Je vais essayer de tout vous filmer et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, donc là c'était le matin, il était vraiment très tôt parce que j'avais cours à 8h. Donc je vous laisse avec ma petite routine du matin et avec le vlog. En vrai, Izzy, j'aimais bien. Oui, parce que c'était mignon. Globalité, tu vois, ils faisaient plein de trucs. Ouais. Là, c'est vraiment. Mais du coup, européenne, ça sera. On a déjà vu des trucs sur l'européenne. Genre, en mode. Ouais, mais là, je crois qu'on va vraiment dans le. Là, je vais mieux, tu vois. Ça va être vraiment dans la précision. Genre, le moindre truc, on va l'avoir, quoi. Elle a déjà fait les annales avant d'avoir le cours. Donc voilà, une matinée typique à la fac, on a un cours magistral, on tape le cours que la prof nous dicte. Donc là c'était un cours d'institution européenne, on l'avait jamais eu, c'est la première fois qu'on le découvrait pour le second semestre. Donc voilà un peu ce que ça donne un cours magistral. Donc là on allait au Krauss Market, c'est là où on prend tous les jours notre repas. Mais en vrai, tu captes bien, je comprends pas. J'ai pris. Comme vous pouvez le voir à mon visage, on venait d'apprendre que le lendemain, on n'avait pas cours. Donc j'étais trop contente. Alors là, c'est un cours un peu différent, c'est-à-dire que la professeure, elle nous a transmis son cours. Donc on a tout le cours, etc. Et on le voit avec elle, elle rajoute des explications et donc moi, je le remets en page. Donc là, je m'apprêtais à manger tranquillement ma pasta box et je vois quelqu'un arriver qui nous a très clairement dit de quitter la bulle parce qu'on avait pas le droit de manger à l'intérieur. Après avoir passé des heures à la BU, je rentre enfin chez moi. Donc là, c'est ma petite routine du soir quand je rentre de la fac. Donc je range toutes mes affaires qui étaient dans mon sac, je range ma chambre, voilà. Je range aussi mes cours, je les trie, je les mets dans un classeur, je remets tout ça en ordre. Journée à la fac. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Genre j'ai fait midi 17h30 à la BU, donc c'est vraiment hyper long parce que j'ai un TD à rendre pour jeudi. Demain, comme vous avez pu l'entendre un moment pendant mon cours, j'ai pas cours à cause de la grève. Donc demain je vais vous montrer comment je travaille à la maison tout simplement parce que voilà, ce TD ne va pas se faire tout seul. Dans ma fac de droit, chaque semaine il y a 2 TD à rendre. J'espère que je vous ai bien montré comment c'était une journée à la fac. Moi quand je suis à la fac, ce que je fais c'est vraiment le matin j'ai cours, donc le matin j'ai cours, je vais à la fac, je vais à tous mes cours d'amphi. Ensuite je vais souvent à la BU, sauf quand il n'y a vraiment rien à faire, je vais pas aller à la BU pour rien faire. Si je devais dire genre l'atout de la fac de droit, je dirais le temps libre qu'on a. Et l'inconvénient, en fait l'inconvénient c'est un peu le fait qu'on n'ait pas trop de repères, on est un peu lâché. C'est vrai que c'est pas ouf le fait que on soit autant lâché à nous-mêmes à la fac, mais en vrai on s'habitue et petit à petit avec le temps on s'améliore. Donc là j'ai fini de manger, j'ai pris ma douche et je me pose sur mon ordi pour faire un peu de montage YouTube et ensuite je me suis mise à lire, puis après j'ai fait un gros dodo. À demain pour la suite du vlog. Donc là, j'ai passé toute ma matinée à bosser le TD que j'ai à rendre.
Donc voilà, il s'agissait d'une dissertation à faire en droit. Après plusieurs heures de travail, j'ai fini ma dissert, j'ai pris une bonne douche et là, je vais me sécher les cheveux et les lisser. Maintenant que, comme vous avez pu voir, j'ai fini mon travail, j'ai envie de me maquiller, donc je vais faire un petit make-up juste pour le fun. Enfin, un petit film Netflix parce que j'ai plus de séries. Donc, si jamais vous avez des séries à me conseiller Netflix, n'hésitez pas. Dites-moi en commentaire vos séries. Est-ce que vous aussi vous maquillez pour rien les filles? Dites-moi que oui, mais de toute façon, je sais. Je sais qu'on est plein à se maquiller, mais je reprends rien. Bon, voilà, je me suis maquillée comme j'avais envie. Je suis contente. Maintenant, je vais me caler devant Netflix tranquille. Voilà! J'ai trop envie de manger McDo ce soir, mais je pense que mon père va pas vouloir. C'est la fin de cette journée, je me suis posée tranquille dans mon lit après avoir mangé un bon McDo et j'ai continué à lire mon livre. Donc là on se retrouve, on est le mercredi, je suis en retard mais je voulais juste vous montrer mon petit outfit du jour et après on y go. Ok, donc mon outfit, donc, j'ai mis un pull marinière, j'ai mis un short, vous voyez pas très bien mais c'est un short, et j'ai mis mes petites Converse. Donc voilà, c'est un petit outfit très sympa. Donc là, je venais d'arriver à la faculté, il était 9h45 pour mon cours de droit constitutionnel. Et ensuite, avec ma pote, on allait chercher à manger au Cruz Market. Et ensuite, on a enchaîné avec le cours à 11h30 d'anglais. Donc là, vous voyez clairement que je mange mon repas pendant le cours. Et on est vraiment beaucoup à faire ça, parce qu'on prend rarement le temps de se poser pour manger. Donc là, il était 13h15, on avait fini le cours et moi, j'ai rejoint une autre pote à la BU pour travailler mes TD. Donc là, on sort du TD avec Lola. Et franchement, c'était trop bien le TD. Genre moi, j'ai trop aimé. Donc voilà, c'était cool. Là j'ai fini ma journée. Donc là je vous reprends parce que c'est vrai que j'ai pas trop filmé le passage de la faculté à chez moi. Donc là j'ai déjà mangé et donc là je vais ranger ma chambre, je vais me démaquiller, après je vais me doucher. Et ensuite je sais pas si je fais du montage pour YouTube ou si je regarde simplement un film. Donc là je faisais mon sac pour mon cours de danse de modern jazz qui a lieu demain. Jeudi matin, je vais bientôt partir et je voulais juste vous montrer mon petit outfit du jour. Donc j'ai mis un manche longue, genre un petit soupul manche longue, vient de chez Zara. J'ai pris une jupe, mais en fait c'est une jupe short. Donc voilà, elle est trop mignonne et elle vient de chez Zara. Voilà, j'ai pris des petits collants, je vais mettre mes Converse, mon manteau. Donc là, on était en cours de droit constitutionnel. On avait cours de 9h45 à 11h30. Donc voilà, c'était un petit cours magistral comme d'hab. Donc
Donc après notre cours de droit constitutionnel, je suis allée manger au Crous, et cette fois pas Marquette, donc au Crous comme la cantine. Et voilà, on s'est posé pour manger tranquille. Donc là, j'ai fini de manger avec Lola. La matinée, ça s'est très bien passé. J'ai eu un cours de droit constitutionnel. C'était sympa. Et là, je vais danser. J'ai cours de 13h à 14h30. Donc voilà, j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Voilà, voilà. Donc là, on sortait de la danse avec ma pote. Il était environ 15h et on est allé à la BU parce que moi, après, j'avais cours de TD à 16h45. Donc là, je venais finir mon cours de TD. Il était 18h15 et je rentrais chez moi. Donc là, j'étais en cours d'anglais. On avait cours de 11h30 à 13h15. Mais comme vous pouvez le voir, je suis toute seule parce que mes potes, elles sont pas venues vu qu'on avait qu'un seul cours. Mais c'est pas grave, moi je suis quand même allée et j'ai même mangé pendant le cours. Donc là, je suis avec ma meilleure amie. Je suis trop contente. Donc j'ai fini ma petite journée fac. Donc j'ai fini ma semaine fac. Et là, on va juste chercher des trucs à Sephora. Et après, on se pose dans un bar. Parfait, là on a une bonne séquence là. Mais toi, genre, quand tu vois ta vie plus tard, tu t'imagines pas des rêves de fou. Là, je vous reprends, je suis rentrée chez moi, j'avais plus de batterie, mon téléphone m'a lâché en pleine ville. Enfin, j'espère que ce vlog vous a plu, moi ça m'a plu, j'ai trop aimé le faire. C'est mon premier vlog à la fac, sans doute pas le dernier. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé la vidéo. Et puis voilà, à vous abonner, à mettre un petit like. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube.